Bonjour à tous, c'est Christina, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser une nouvelle recette. Alors, j'ai ici le jarret de porc. Voilà, le jarret de porc. En lingala, c'est jarret de porc, le kolongulu. Voilà, le kolongulu, je crois. Donc, alors pour ça, nous avons besoin d'oignons, de l'ail et du thym. Voilà, tout simplement, du sel, on va rajouter du sel et puis on rajoutera de l'eau aussi pour faire bouillir. Voilà, on y va pour la préparation. Dans une casserole, j'ai pris une casserole, on va faire un peu de trous, petits trous, et on met de l'ail dedans. Voilà, on fait des petits trous dans la chair, là où il y a la chair, on met de l'ail. Hein. Moi, j'aime bien cuisiner avec de l'ail. La cuisine africaine sans de l'ail, je trouve que c'est nul. Voilà. Donc, il faut vraiment mettre faut un couteau pour pouvoir bien enfoncer le... Voilà. Là, c'est parti. Donc, on a mis de l'ail dans les petits trous qu'on a mis, voilà. On saupoudre un peu du sel, voilà du sel. On met dans une casserole, voilà. Donc on met le jarret dans la casserole, on met de l'oignon, je mets du thym, voilà. Et on garde un peu d'oignon pour tout à l'heure et un peu de l'ail pour tout à l'heure. Voilà, donc je rajoute de l'eau et on met à feu jusqu'à ce que ça puisse bouillir, quoi. Voilà, la jarret de porc qui est en train de bouillir. Donc c'est mélangé avec l'oignon, du thym, de l'ail et tout. Donc on va laisser reposer, on va laisser cuire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de l'eau. Ensuite on va faire revenir jusqu'à ce que ce soit un peu doré. Voilà, on ne met pas au four, c'est à la casserole. Voilà, donc le jarret qui a bien bouilli avec l'oignon, de l'ail et du thym. Maintenant on va changer de casserole. Je mets la viande dans une poêle pour bien le faire dorer. Voilà, pour bien faire dorer la viande. Donc on change de casserole. Voilà, donc on va rajouter de l'huile au-dessus. Un peu d'huile, hein, pas trop, parce que la viande elle est grasse. Donc voilà. Et on va faire dorer la viande. Voilà, donc la viande elle donne ça à peu près, hein. Faites attention quand même, hein, parce qu'il y a l'huile qui... c'est de l'eau avec de l'huile mélangée, donc ça glisse un peu. Donc voilà à peu près, la viande elle est prête. Hein. On va faire mariner l'oignon. Hein. Ça va couper en... Voilà, l'oignon. Et mariner l'oignon. On fait revenir de l'oignon. Voilà, donc on baisse bien le feu, hein, parce que... C'est pas la tarte, hein. Voilà, donc après, excusez-moi, je vais prendre, voilà, donc on peut facilement faire dorer l'oignon, voilà, dorer l'oignon. Dorer l'oignon et ensuite je vais présenter mon jarret. Donc ça c'est jarret africain. En général, moi je le mange comme ça. C'est très délicieux, c'est bon, c'est vraiment bon. Hein. Je sais que l'assaisonnement elle est bien, elle rentre bien dans la chair et tout. Vraiment, c'est impeccable. Voilà. Donc je vous souhaite bon appétit. Voilà, si vous voulez, je peux le présenter dans une assiette.
Voilà, donc je vous présente ma viande. Voilà, donc j'ai fait revenir l'oignon, l'ail, et j'ai repris une petite sauce qui était dans la casserole qu'on a fait bouillir, si vous vous rappelez. Donc ça me fait vraiment une... Ça fait vraiment l'oignon caramélisé, c'est très très bon, voilà. Donc ma viande, je vais la graisser. Je vous dis à très bientôt, je vous montre. On arrête le feu. Voilà la présentation, ma viande, elle donne ça. Ça c'est très bon avec du riz, parce que comme l'accompagnement, on peut faire de la semoule, le manioc, du riz. Des pâtes aussi, mais moi je préfère faire avec du riz, voilà, donc c'est mon alimentation de base, du riz. Voilà les filles, c'est facile à faire, hein. Donc maintenant n'hésitez plus. Ils sont parfaits, hein.